22 ans. Je suis licencié à l'Étoile Sportive du Blanc-Mesnil. Donc ça fait 6 ans et demi que je m'entraîne dans ce club. Il y a un an et demi, j'ai fini champion de France de judo dans la catégorie des moins de 42 kg. Le SBM représente pour moi comme une famille. Le judo à la base, c'est le respect d'autrui. Donc je me base sur ces valeurs. C'est pour ça que j'aime autant ce jeu de sport. Donc quand j'ai su que j'étais choisi, j'étais très content. Tout de suite, je l'ai annoncé à mes parents qui étaient aussi très heureux et fiers de moi. Et ça m'a apporté beaucoup de confiance en moi. Donc je remercie mes coéquipiers et ma famille qui sont souvent derrière moi, qui me soutiennent dans ce que je fais. La petite histoire de Omar, c'est qu'il n'a pas pu faire ses championnats de France la première année, simplement qu'il était blessé. Son frère jumeau a réussi à décrocher une médaille la première année où il était blessé. Derrière, je pense que c'était sa motivation pour aller chercher cette médaille d'or. Alors Omar, c'est un guerrier. Il s'entraîne comme s'il était en compétition. Il représente pas mal de choses dans le club, tout simplement au niveau de son comportement sur le tapis. Et derrière, les petits, ils cherchent à être comme lui. C'est devenu un exemple à l'ESBM, Omar. Omar, continue comme ça. Cette année, ça serait bien que tu passes ta ceinture noire et que tu ailles chercher une autre médaille au championnat de France cadet.